Grenouille, piquet pêche. Il y avait du castor en Alsace jusqu'en 1890. Hein. Et même dans les monastères, les moines le considéraient comme un poisson à cause de sa queue plate écaillée, un prétexte pour manger la viande en période de carême. Hein. C'est une autre Alsace. L'envers secret des cigognes et des colombages. Une Alsace qui vibre et qui bruisse au fil de ses rivières, de ses étangs et de son fleuve, le Rhin. Ici, le poisson est plus qu'un roi. C'est un mythe. On peut retrouver ici quasiment tous les poissons d'eau douce. Hein. Vous avez beaucoup de brochets, de cendres, de carpes, de tanches, des ablettes, des goujons, des verrons, des anguilles. En Alsace, vous pouvez manger une très bonne matelote. Hein. Alors, c'est quoi une matelote? C'est un peu la bouillabaisse alsacienne, si on veut. Hein. C'est quatre variétés de poissons. En général, il y a du brochet, du cendre, de l'anguille, la lotte de rivière, accompagnée de pâtes fait maison et mariée avec un bon riesling de nos coteaux alsaciens. La matelote, donc, a le goût de cette Alsace-là. On vient la manger entre amis, dans des restaurants et des guinguettes qui gardent jalousement leurs recettes. Celle d'Angèle Bohr, à Ebersmünster, est une véritable affaire de famille. Vous avez donc maman, qui a 83 ans. Ensuite, vous avez mon épouse, Hélène. Vous avez notre fils, Alexandre, à côté. Et puis Linda, sa future épouse. Ça fait maintenant pas mal d'années que tout ce petit monde fait de la matelote. Disons que c'est en commençant par maman qui l'a fait 55 ans déjà. Et avant, déjà, on avait démarré avec déjà ma grand-mère. Avant, les beaux-parents. Quand j'étais tout petit, j'étais toujours dans les casseroles, dans les marmites, en train de goûter à gauche, à droite. C'est peut-être d'ailleurs grâce à ça que je suis tombé dedans et puis que depuis, voilà. Le mot matelote, ça veut dire matelot, quoi. Mais c'est quand même... L'origine, c'était des dames qui cuisinaient. Ils faisaient le poisson. C'est pour ça que c'est devenu la matelote. C'était tous les dimanches plein. Et maintenant encore, maman, on fait presque tous les dimanches quand on a couvert. Mais il faut, hein, des poissons. C'est vraiment beaucoup de boulot de dépouiller les poissons, de les écailler, les désarrêter, et ainsi de suite. Quoi. C'est vrai que c'est beaucoup de travail et puis c'est... Bon, Le vendredi saint, nous, on sert que la matelote. On sert que de viande. Pas de viande. On avait des clients de Mulhouse qui venaient très souvent tous les trois semaines. Alors, pour le ventre, tu sais, ils commandent pour 8 couverts. Alors, du jambon cru et puis de la matelote. Je dis que je regrette. Aujourd'hui, c'est le ventre, tu sais, je fais pas de jambon. Eh bien, alors vous me perdez comme client. Je m'excuse, ça fait rien, monsieur, mais je ne peux pas. Un ventre, je ne fais pas ça, un ventre, tu sais. Trois semaines après, j'ouvre le journal et qu'est-ce que je vois? Mon Dieu, il était cédé. Il était cédé trois semaines après. Alors je dis, et maintenant le ventre dit ça? Que je répète tous les ans ça. Depuis, je répète tous les ans. Il aurait mieux fait de venir manger la matinée. Peut-être qu'il serait encore là. Voilà, donc la matelote se compose de quatre ingrédients principaux. L'anguille, qui est le poisson le plus important car il donnera le plus de goût au fumet de poisson, le fumet de poisson qui donnera donc la sauce matelote. Puis le cendre, la tanche et pour finir le brochet. En garniture aromatique, nous aurons donc un peu d'ail, quelques échalotes ciselées, un oignon piqué de clous de girofle, quelques feuilles de laurier. Le tout sera servi avec quelques champignons et en garniture des nouilles à l'alsacienne. Donc là, je tronçonne le poisson. Donc tronçonner, c'est faire des petits quartiers quoi, de poisson en gardant donc l'arête du centre.
un peu de beurre que l'on fait fondre. J'y ajoute les échalotes. Je commence par l'anguille, du poivre, du sel fin et on mouille au vin blanc. Donc l'anguille est le poisson qui prend le plus de temps à cuire, à peu près on va dire un quart d'heure, 20 minutes. Après vous aurez la tanche, il faudra à peu près 10 minutes. Puis il y aura le brochet à peu près autant et le cendre en 3-4 minutes ce sera cuit quoi. Nos quatre poissons sont donc cuits. Je vais les retirer. Notre fumet de poisson donc a bien réduit. Je vais donc le lier. Je rajoute de la crème fraîche mélangée avec un peu de jaune d'œuf. Plus réduit sera le fumet, meilleure sera la sauce. Et là, je vais donc rectifier l'assaisonnement. Je vais rajouter une petite goutte de jus de citron pour exhauster le goût qui va mettre encore en avant les arômes et le caractère de la sauce. Une petite goutte de vin blanc rajoutera une petite touche d'acidité également. Et nous allons pouvoir donc dresser la matelote. Alors la matelote l'alsacienne se sert donc traditionnellement dans des plats en cuivre. Nous allons donc napper avec donc notre sauce au vin blanc. Un petit fleuron et pour finir, un petit bouquet de persil. Voilà, nous avons donc la matelote à l'alsacienne. Fleuron de la gastronomie locale, la matelote nous renvoie ainsi à portée de mémoire au temps pas si lointain où le poisson de rivière de l'île au Rhin faisait vivre plusieurs centaines de pêcheurs professionnels. Chaque pêcheur avait encore un peu l'agriculture à côté, 2, 3, 4 vaches. Et la source principale, c'était la pêche. Ça, c'était avant la guerre, 40 encore, mais 39-40. Et encore avant 18, avant la guerre de 14, il y avait chez nous à Hirstein 10 familles de pêcheurs qui vivaient de la pêche, seulement de la pêche. Hein. Alors on pêchait encore sur le Rhin. Mon grand-père pêchait encore sur le Rhin. Et après, maintenant il y avait le canal d'Alsace, toute la pêche était finie sur le Rhin. Mais le restaurateur venait chaque fois chercher les poissons chez nous pour la matelote. Tout ce qu'on n'avait pas besoin, c'était le restaurant qui le prenait tout. Mais Chaque semaine, il avait ses poissons, le restaurateur. Mais à Hirstein, à Kraft, le restaurant, toute la matelote, c'était connu, ce restaurant, dans toute la région, pour la matelote. De plus en plus, ça revient à la mode, là, la matelote. Hein. C'est quand même un plat qui est très apprécié par tout le monde. Bon, je ne veux pas dire qu'on mange tous les dimanches, mais au moins une fois par mois. Ouais. Bon, avec des invités, vous voyez, parce que nous personnellement, il y a encore des vieilles recettes de grand-mère hein, qui sont très très bonnes. Hein, qui sont très bonnes hein. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Puis chacun a un peu ça. Je pourrais la faire moi-même hein, si je voudrais, hein, à force de voir ma femme les faire. Hein. Ah, ouais.
étroitement liée à la pêche professionnelle, la matelote serait donc en voie de disparition s'il n'y avait pas eu quelques passionnés, à l'image d'Adrien Fonarbe, pour remonter le temps et jeter des filets à contre-courant. La pêche, moi j'ai recommencé en 88. Et bon, bah, si vous voulez, c'était un coup de cœur pour le Rhin, c'est tout. Le métier avait disparu et puis j'ai décidé un jour de reprendre ça pour remettre ça en place. J'étais pêcheur de loisirs comme beaucoup, donc j'étais toujours fourré au bord du Rhin. Je fais de la musique avant aussi. Donc j'avais écrit des morceaux là au bord du Rhin. Mon inspiration, je la cherchais ici, ça fait que bah, j'ai atterri au bord du Rhin. Voilà. J'étais longtemps seul à plein temps. Entre-temps, il y a eu également une personne qui a été installée sur le Bas-Rhin, qui est normalement à plein temps aussi. Petit à petit, l'espoir, c'est quand même de voir se redévelopper le métier de pêcheur, mais à plein temps. Le milieu produit grosso modo 10-15% de carnassiers. Et notre objectif, c'était de valoriser toute la production de la pêche, y compris ce qu'on appelle le poisson blanc. Et donc, là, le premier travail qui a été fait, c'était justement rechercher ce qu'on allait faire avec les 80% qui habituellement ne sont pas trop commercialisés. Quand on fait de la matelote, nous, on peut mettre en fin de compte toutes sortes de poissons dans la matelote. On peut faire de la matelote avec n'importe quel poisson. Mais il y a un poisson qui doit figurer dans la matelote, c'est l'anguille. C'est comme ça qu'il faut tenir les anguilles. Et tout, derrière tout la près de la tête. Oui, aussi près de la tête que possible. Les anguilles, ils retournent à la mer. Alors, ils retournent à la mer, dans la mer des sarcasses. Des carcasses, sarcasses. Sarcasses. Des arcasses, oui. Et ils reviennent comme tout petits. J'ai jamais vu une anguille. Les garçons, je les voyais. Les brochets, je les voyais. Oui, oui. Mais jamais une anguille. Et pourtant, j'en ai attrapé. Et pas des kilos. Quelques kilos tous les matins. Et dans la journée, quand je posais les nasses. Tu voyais tous les poissons en bas, mais jamais une anguille. C'est mystérieux comme bête. Oui. Pas de matelote sans anguille, donc. Et parmi ces bizarreries, ce poisson serpent a la particularité d'appeler au fond des marmites, ce qui constitue l'autre bonheur de la cuisine alsacienne, le vin blanc. Annie Mayer, elle-même fille de vigneron, est une spécialiste de cette cuisine délicatement alcoolisée. Ce sont les vignes de mes parents, qui étaient à mes parents, et où j'ai passé de nombreuses grandes vacances, de nombreux jeudis. C'est pas concevable de faire un coco Riesling sans Riesling. La choucroute, le vin, le Riesling fait partie des ingrédients de base. Qu'est-ce que je peux vous citer encore, le filet de bœuf au pinot noir, même les petits plats de Wienstube du style de la tourte, etc. C'est toujours des marinades à base de vin blanc. C'est toujours du vin blanc dans les réductions et dans les sauces. C'est vraiment le fil conducteur, c'est vraiment le goût de base. Cette acidité du vin blanc, c'est incontournable. La sauce de la matelote, c'est la sauce classique des poissons en Alsace. C'est toujours une réduction de vin blanc et échalote, c'est toujours la même chose. C'est la typicité du Riesling qui va concentrer donc cette acidité, qui va compenser le gras de l'anguille, les autres poissons étant moins gras, mais l'anguille étant particulièrement grasse. Et voilà, donc on va avoir un plat très équilibré avec cette acidité et la crème. À la tienne. Pas besoin de manger. La matelote, c'est la tradition. C'est le vin, c'est les produits issus de notre terroir ou de nos rivières. Voilà, oui, ça pourrait bien symboliser notre Alsace. Thank you.
La sauce est prête, il ne reste qu'à l'accompagner d'une belle assiette de pâtes. Des nouilles aux œufs frais, bien sûr, dont l'Alsace s'est fait, d'aussi loin qu'on se souvienne, une spécialité. Voilà pourquoi, sans elle, la belle histoire de la matelote ne serait pas vraiment complète. Les nouilles en alsacien, ça s'appelle donc nudle. Les ménagères, ils avaient apporté de la farine, qui était donc cultivée sur toute la plaine d'Alsace. Il y avait partout, il y avait des fermes, donc les poules et naturellement les œufs également. Donc les pâtes étaient faites le samedi. Le samedi, c'était étalé, il y a une pâte qui a été faite, étalée au rouleau à pâtisserie et après coupée. Normalement, on mangeait ça avec un lapin ou bien une bonne matelote. Donc après un certain temps, il y a les boulangers qui ont pris le relais, qui ont commencé à faire des nouilles. C'est en 1903 que mon grand-père a démarré la boulangerie ici. Donc c'est mon père qui a repris et c'est lui qui a commencé à faire les pâtes, donc ces nouilles. Et c'est vrai qu'avant la guerre, même après la guerre, vous savez, l'ouvrier, il était à la boulangerie, il travaillait, commençait tôt le matin, il terminait quand il n'y avait plus de travail. Les heures, ça ne comptait pas. Pour meubler ces heures-là, les boulangers ont fait le maximum, donc ils ont également fait des nouilles. Mon père a toujours fait des nouilles, donc depuis tout petit, comme ma fille, j'ai grandi là-dedans, j'ai vu ça. C'est un truc pour moi tout à fait normal. Il y a certains boulangers qui font encore des nouilles dans leur magasin, mais ils sont très très rares. Et de la façon dont on les fait, je pense qu'on est les seuls sur toute l'Alsace à faire ce procédé. Robert et Elisabeth Heimburger ont été boulangers et ont arrêté le pain et commencé à fabriquer des pâtes alimentaires après la guerre. En 69, on a développé les pâtes, on a commercialisé les pâtes avec 7 œufs au kilo et en changeant également la présentation, en faisant une présentation sous forme de nid. Parce qu'avant cette date-là, les nouilles étaient sous forme de flotte. En Alsace, il y avait une trentaine de fabricants dans les années 60. Aujourd'hui, il en reste 3. On a réussi à tenir et on est toujours là aujourd'hui. Et puis, on a très bien travaillé les pâtes d'Alsace au niveau des magasins, au niveau de la consommation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on commercialise 30 000 tonnes de pâtes par an. On a essayé de nous imiter. C'est pour ça qu'en 1994, on a engagé une démarche de protection géographique, c'est-à-dire une IGP, qu'on a développée avec Alsace Qualité à Strasbourg, pour nous protéger au niveau français et européen des contrefaçons. Parce qu'il s'agit bien de contrefaçons. Quand on fabrique des pâtes, quand on commercialise des pâtes où il y a écrit ni d'Alsace, qui sont fabriquées en Italie. Et oui, même si l'on ne recule pas devant les innovations technologiques, on ne badine pas ici avec les traditions. Et derrière notre bonne vieille matelote se cache peut-être une sérieuse affaire. C'est en tout cas ce que l'on murmure de part et d'autre de l'île dans deux célèbres restaurants. Il y a toujours eu deux restaurants, il y a une part et d'autre de l'île, la famille Berlin, la famille Muller. Il y avait deux matelotes, on disait, la matelote catholique chez nous, la matelote protestante à l'auberge de l'île. Il y avait une petite différence dans la recette de la matelote, de part et d'autre du pont. Chacune jalousait sa recette et ne dévoilait aucun secret, mais je ne sais vraiment pas s'il y avait une grande différence. Au sein de notre village, il n'y a pas eu de guéguerre entre les protestants et les catholiques. Au contraire, même maintenant, quand le petit temple ne suffit pas pour accueillir l'assistance pour un mariage ou un décès, ils s'adressent aux catholiques et puis on leur prête l'église.
tous les dimanches matins, il y a une partie de la, des gens qui vont à la messe, qui viennent prendre leur apéro à 11h après la messe, et l'autre partie va à la truite. Et ça, c'est là depuis un siècle, cette habitude. De 11h à midi, ça devient un bistrot, ils viennent discuter, boire le coup et boire un canon, là, et c'est sympathique, et il faut absolument garder ça. L'histoire de l'auberge de Lille est vraiment liée à la matelote. On avait la même origine qu'un peu Paul Bocuse, le long de la Saône, qui servait des fritures, des matelotes, comme nous aussi, de la friture, de la matelote, un peu de gibier l'hiver, et c'était vraiment une cuisine de femmes, une cuisine très familiale. Et les gens venaient d'assez loin, venaient de la région de Saint-Dié, de Strasbourg, même du territoire de Belfort. Je sais qu'on a une photo au début du siècle où Monsieur Peugeot était venu avec la première Peugeot parce qu'ils avaient des chasses dans les environs là. On continue à préparer la matelote. On la fait sur commande et on tient toujours à la faire le vendredi saint où la matelote est incluse dans le menu. Si des restaurants 3 étoiles se bâtissent sur la modeste matelote, c'est que ce plat est riche d'une multitude de possibles. Ainsi, dans ce qui fut naguère un temple de la matelote classique, un jeune restaurateur s'emploie à mettre au goût du jour l'ancienne recette. Matelote d'anguille, avec son jus de cuisson pour avoir cette note acidulée un peu plus persistante que lorsqu'elle est nappée avec une sauce matelote. La matelote, c'est fait pour une génération où on mangeait de façon copieuse et généreuse, un peu lourde. Telle qu'on la prépare nous, elle n'est pas grasse, si vous voulez. Elle est copieusement servie, mais elle n'est pas trop crémée, donc c'est vrai que c'est assez léger. Cette sauce matelote, oui, comme elle a un bel équilibre, cette note un peu acidulée, très légère, souple et joliment parfumée, donc c'est vrai qu'on peut l'utiliser sur d'autres plats. Sur d'autres plats, par exemple, on fait des ravioles farcies, donc de perche, de pleurotes, d'oignons confits, et on agrémente une sauce matelote parce que c'est vrai que, ben, comme elle est souple et légère, c'est vrai que ça donne un joli parfum. Aujourd'hui, on recherche plus de saveur, plus de finesse. Donc c'est vrai qu'on peut partir sur une base de cuisine alsacienne et puis on l'agrémente un peu différemment pour que ce soit un peu plus fin. Le mouvement est lancé, du coup même les grands chefs s'y mettent. Et l'héritier de l'auberge de Lille, pourtant gardien de la mémoire, se risque lui aussi à une variation savante sur ce plat qui garde, envers et contre tout, un parfum d'enfance. Ce que j'aime dans la matelote, c'est les pâtes et la sauce. Donc je vais respecter pâtes et sauce, mais tout le reste va changer. Certains poissons seront grillés et d'autres seront pochés comme dans la matelote et on va changer la garniture, on va changer de pâte pour faire une matelote tout à fait revisitée. Voilà, alors d'abord on a besoin du fumet de poisson dans lequel on va verser un peu de Riesling. On va y disposer le morceau d'omble, le morceau de cendre. On va juste le porter à ébullition. Voilà, on va et le débarrasser. D'habitude, l'anguille est pochée dans le bouillon, mais là, on va prendre un morceau d'anguille. Alors, on va juste ajouter quelques gousses d'ail en chemise à l'anguille. Alors, on va tailler le cep, la tête en lame, comme ça, et le pied en cube. Et en même temps, ça va parfumer l'anguille. Il faut qu'elle soit bien grillée. Comme dans la matelote, il y a toujours des champignons de Paris en général. Le cèpe est quand même plus fin et va amener un autre parfum. Parce que déjà, le cèpe va absorber cette graisse et va se parfumer avec le parfum d'anguille, justement. Alors là, c'est un peu de sauce vin blanc qu'on a fait au préalable, comme une sauce vin blanc classique. Chez nous, c'est pas lié au jaune d'œuf. Certaines le font peut-être. En face, ils le font. Voilà, ça y est, j'ai la différence entre la protestante et la catholique. Il a fallu attendre 70 ans. Pas le mettre à la carte parce qu'il faut que dans l'esprit des gens la matelote reste la vraie matelote. J'ai déjà souvent fait des variations autour de matelote. On peut s'inspirer de la matelote, mais
il faut pas. C'est un peu comme une madeleine de Proust pour nos clients ici. Lorsqu'ils prennent le vendredi saint la matelote, elle doit rester telle que la faisait ma grand-mère.